Monsieur le ministre Lalo, monsieur le gouverneur de la Banque centrale, monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, distingués invités, chers amis de la presse, la décision a été que chaque ministre sortant accueille le nouveau. C'était juste pour éviter au Premier ministre cette tribulation de procéder à l'installation d'une vingtaine de ministres, puisqu'il y a tellement de choses à faire. Mais pour moi, c'est un heureux hasard de procéder à l'installation d'une valeur, d'un ami, mais surtout d'une valeur. J'ai eu l'opportunité, l'occasion de discuter avec le ministre Lalo. En tant que patriote, en tant qu'académicien, en tant que haut fonctionnaire de l'État, et c'est quelqu'un qui est passionné pour la bonne gouvernance du pays. C'est quelqu'un qui maîtrise ses dossiers. C'est quelqu'un qui a une vision de la gestion rigoureuse et rationnelle de la chose publique. Alors pour moi, c'est un plaisir et un honneur d'avoir l'opportunité de procéder à l'installation d'une valeur comme M. Lalo au ministère de l'économie et des finances. Être Premier ministre, c'est une tâche énorme. Mais comment diriger un gouvernement sans avoir quelqu'un de la dimension de M. Lalo dans un contexte de grave crise économique et financière? M. Lalo, c'est non seulement une référence, mais un atout pour nous permettre d'adresser les problèmes avec, bien sûr, sens de responsabilité, d'engagement et d'honnêteté. Je sais qu'il est capable, je sais qu'il est honnête, je peux me le permettre de le dire parce que j'ai l'habitude de discuter avec lui. Je sais qu'il a une vision, une grande vision pour le pays. Alors pour moi, c'est en toute confiance que je me répète encore que j'ai le grand plaisir, le grand privilège, l'opportunité de vous demander, mesdames, messieurs, les cadres du ministère de l'économie et des finances, d'accueillir une nouvelle fois le ministre de l'économie et des finances, M. Wilson Lalo, que je vous demande d'applaudir.